très célèbre de canal de Panama. Étant donné qu'au Panama les hôtels sont très très chers, j'ai pris l'habitude de demander l'hospitalité dans les casernes de pompiers. Et ce soir je dors à l'intérieur d'un camion de pompiers. Je vais dormir ici. Bon voilà, levé à 6h. Dans une caserne de pompiers toujours. L'heure du petit déjeuner. En général, je profite des heures fraîches de la journée le matin pour courir environ 2 heures. Et une fois que la chaleur s'est installée, je marche pour le reste de la journée. Ça, c'est quand même la meilleure idée au monde. Ils ont des douches dans les stations de service. Les gens au Panama ne sont pas très accueillants et il n'y a pas grand chose à faire, donc je trace ma route en espérant arriver le plus vite possible au Costa Rica. Il pluviote, c'est génial. C'est un vrai bonheur d'avoir un petit peu de fraîcheur qui vient du ciel. Et je me trouve au Costa Rica sur la côte pacifique. Et je dois dire que je profite de paysages vraiment exceptionnels, donc avec de la forêt luxuriante et puis voilà ce type de paysage avec des plages absolument sublimes. Il y a une petite partie de pêche. Constantino. Très sympa, c'est Costa. Se llama Clara. Clara, hola Virgilio. Hola, ¿qué tal? Pura vida, él se llama Enrique. El dueño de la lancha se llama Juan. Y ella es mi prima. Qué cámara tan bella, ¿eh? Sí, muy y muchísimas linda. Gracias por la invitación. Hola, chica. Notre premier poisson est un chien. Des crocodiles dans leur habitat naturel en plus, ça fait plaisir. C'est vraiment assez incroyable comme bestiole, on dirait des animaux préhistoriques, des dinosaures pratiquement. C'est très très impressionnant. Je dirais pas, mais ça chauffe. Je me trouve à Managua, capitale du Nicaragua, qui est en ce moment même donc sous une dictature, il faut le dire les choses comme elles sont. Et ce qui a donné lieu au début de l'année 2018 à une violente crise économique tout d'abord, et puis politique et sociale, avec de nombreux heurts entre les habitants et la police. Volcan, 2 volcans, 3 volcans, 4 volcans, 5 volcans, 6 volcans, 7 volcans et le 8e.
suis maintenant au Honduras et oui, on n'arrête pas de changer de pays. Le Honduras qui, du moins sur le papier, est l'un des pays les plus dangereux au monde. Donc je vous avoue, je ne vais pas m'y attarder. Mais c'est simplement un petit saut de 3 jours pour passer du Nicaragua au Salvador. Voilà, à la fin du 3e jour, j'arrive à cette dernière frontière ce mois-ci, donc pour passer au Salvador. Et puis, bien sûr, le mois prochain, on continuera ensemble notre traversée de l'Amérique centrale, donc avec le Salvador, le Guatemala, et pour aborder enfin l'immense pays qu'est le Mexique. Ciao.